L'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré dispose désormais d'un bloc opératoire de type moderne entièrement équipé. La cérémonie qui consacre son inauguration a eu lieu ce mardi 26 février 2019 en présence des autorités politico-administratives, des religieux et habitants de cette localité. Ce joyau est le fruit de l'appui technique et financier conjoint des Lions Club allemands, du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, de la fondation Wir Helfen Kindern et de la mission chrétienne pour les aveugles. Il contribuera à faciliter la détection, le diagnostic, le traitement, la réhabilitation précoce des enfants souffrant des maladies oculaires. Une idée qui nous a amenés ici aujourd'hui à inaugurer cette unité entièrement équipée pour le diagnostic, le traitement et le soin des yeux des enfants. Mais c'est tellement plus. Au nom de Lyon allemand, je suis fier d'avoir réuni les fonds nécessaires qui sont maintenant devenus tangibles sous forme de briques, du ciment et d'équipements, répondant ainsi aux besoins des enfants malvoyants. Nous pensons que c'est un bon début d'apporter les bâtiments et le matériel à Paracourt et de promouvoir les compétences médicales. Mais le défi majeur pour l'avenir doit être de pouvoir développer le potentiel de chaque enfant béninois souffrant de déficiences visuelles ou maladies des yeux. Pour apporter un soutien à leurs parents et leurs familles où qu'ils se trouvent dans ce pays. Et cela améliorera l'accès de beaucoup des enfants à l'éducation, ce qui peut sans aucun doute être considéré comme la clé d'un avenir meilleur. Très heureux d'avoir accueilli cette infrastructure qui vient renforcer celle existante, le directeur de cet hôpital s'est confondu en remerciements. Merci à vous, Excellences, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités, qui avez bravé plein d'obstacles pour vous retrouver ici. Cela dit, merci à tous d'honorer l'hôpital, car votre présence ici est déjà un honneur pour nous. Nous, c'est tous ceux qui travaillent dans cet hôpital, agents d'entretien, infirmiers de tous grades, médecins, agents administratifs. Conscient des défis à relever et de l'atteinte des objectifs, l'archevêque de Paracourt invite les agents de ce centre de santé à travailler avec foi et abnégation afin de rendre un service de qualité et accessible à toute la population, notamment la couche la plus vulnérable. Je sais que vous pouvez et que vous travaillerez avec foi, détermination et abnégation. Je sais que dans cette infrastructure, et avec tous ces équipements, vous servirez Dieu à travers les personnes fragiles. Vous le ferez avec compétence et dévouement, sans distinction de race, d'origine, de religion. Cher personnel de l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Tinré, médecins, infirmiers, aides-soignants, agents d'entretien, travailleurs, toutes catégories confondues de cet hôpital, je vous exhorte à ne pas échouer. La coupure du ruban et une visite guidée de l'infrastructure sont les temps forts qui ont marqué cet événement.